Niger. La France quitte le pays et ferme son ambassade. Le divorce semble définitif. La France achève son désengagement au Niger avec la fermeture de son ambassade et le départ des derniers militaires du pays ce vendredi 22 décembre. Le retrait des soldats français du Niger fait suite à ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France a également été poussée vers la sortie par des juntes hostiles. Après un bras de fer de 2 mois avec les nouvelles autorités à Niamey qui ont dénoncé plusieurs accords militaires avec Paris, le président français Emmanuel Macron a fini par annoncer fin septembre le départ des troupes françaises du Niger d'ici à la fin de l'année. La France a aussi décidé de fermer son ambassade au Niger, où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques, actant définitivement un divorce entre les deux pays. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, expulsé par les autorités, avait quitté le pays fin septembre, après des semaines où il avait été coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique.